Salut à tous, donc aujourd'hui on revient avec une vidéo, donc après la vidéo où mon copain me fait le make-up en fait, j'ai tout effacé, j'ai refait mon make-up parce que je pouvais juste pas rester comme ça, je vous mettrai la vidéo en barre de description. Donc aujourd'hui on va filmer une nouvelle vidéo sur ce qu'on a acheté quand on est allé au Japon et on a acheté des choses un petit peu bizarres, des choses que j'ai jamais vues même en Corée. Si vous connaissez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que c'est, comment ça s'appelle, etc. Donc on va commencer. Je sais pas par quoi on va commencer en fait. Ok, si vous savez ce que c'est, hein. Franchement on a acheté, on sait pas du tout ce que c'est. C'était bizarre, on a dit on va tester tous les trucs bizarres. Okay, donc ça, pareil, est-ce que vous savez ce que c'est? Si vous savez, dites-le moi en commentaire. Bon, allez. Ça me fait peur. Franchement on a mangé des trucs, bon c'était pas dégueu hein, mais là je sais pas. Ouais, ça ressemble à ça. C'est quoi? C'est frit, ouais, voilà. On dirait une espèce de cacahuète. Ah, c'est bizarre! Bah, c'est une... Ah, bah, chope ça! Ah, c'est dégueu! Ah, man. Ah, j'ai un salam, je vois. Ah, c'est aigre, c'est sec, c'est... Ugh. Ah, c'est horrible, il me faut de l'eau. C'est horrible. Ça a un goût fumé, ça a un goût, un arrière-goût dégueu. Pas la première fois quand tu croques dedans, mais après ça a un arrière-goût dégueu. Bon, lui il kiffe, hein, il va manger ça, il va tout manger je pense. Ça m'a envie de vomir, j'en ai plein les dents. Qu'est-ce que c'est? Pareil, hein, si vous savez ce que c'est, franchement, c'est écrit en japonais. Je veux bien parler coréen, mais japonais, non. C'est juste pas possible pour moi. Ils vont me dire là-bas. Yeah. Bon, bah, même lui, il comprend pas, il sait pas trop ce que c'est. Il a des bases de japonais, mais bon, voilà, quoi. Ça m'a l'air... c'est dur. Ça m'a l'air fumé, ça m'a l'air... Je sais pas. Oh, ça a l'air d'être un truc trop chelou, encore. Oh, on va sentir. Oh non, ça pue, en plus. Oh mais c'est... C'est quoi ça? Oh non. C'est salé. C'est hyper salé. Non mais dedans il n'y a pas de couleur en fait. C'est pas foncé dedans. Non, ça va. Mais. Ouais, enfin, non, ça va. Ok. Non, 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 ouais. C'est pas dégueu comme l'autre, mais. Je le finirai pas. Ça. Oh, c'est hyper salé. C'est hyper salé. C'est pas dégueu, ça fait un petit peu biscuit d'apéritif. Bon, pas français du tout, hein, japonais, mais. Non. Berk, j'adore pas. On va essayer de faire un truc qui est pas trop dégueu. Il a acheté des espèces de galettes au crabe. Et en fait, on a plus la boîte parce qu'il a mangé la plupart de ce qu'il y avait dedans. Il m'en a laissé quelques-uns pour la vidéo. Mais moi, j'ai pas goûté, donc je vais goûter aujourd'hui. Je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble à ça quand vous l'ouvrez. Voilà, c'est hyper. Mais oh. Bon, il dit que c'est pas épicé. Je sais pas. On va voir. Moi quoi? Ah, il mâche ça. Ça c'est bon ça. Si vous aimez le crabe, ça a 100% goût au crabe, y a pas de problème. Ah, ça me fait flipper. C'est du poulpe. C'est du poulpe, mais en fait. Squeezie. En fait, ils ont du poulpe aussi en Corée, mais apparemment ils ont pas celui-là, donc c'est pour ça qu'il l'a acheté. Donc du coup, en fait, il connaît pas du tout quel goût ça a. Et donc on va voir. Ah. Ça va avoir. Voilà, ça va avoir une odeur horrible. Ça va une odeur de poulpe. Voilà,
c'est un poulpe séché, mais alors totalement aplati, c'est comme un biscuit, une espèce de galette. Et c'est la forme du poulpe quoi, totalement. Et alors ça... Non, ça va. Kinchana, Nemze. Ok, les chimango à nous, ok. Oh. Ah, mais c'est du poulpe séché, mais frit. C'est pas dégueu, mais pareil, hein, je suis pas fan de poulpe, alors... Bah, c'est ça. Puis l'eau, rien. Ouais, c'est pas dégueu, mais c'est pas bon, c'est pas hyper bon, quoi. Je préfère les biscuits au crabe. Je me demande ce qu'il y a écrit dessus, et en fait, je me demande dans quel sens ça se lit. Comme ça? Non? Je sais pas. Pour ceux qui savent. C'est joli, hein? Mais alors, je comprends rien du tout. Tiara, le chien mange tout ce qu'on fait tomber, toutes les miettes. Et alors, coquine? Voilà, coquine. Donc là, on a un petit paquet. On ne sait pas trop ce que c'est. On pense que c'est du chocolat. Mais pareil, il y a des couleurs, il y a du vert, il y a du marron. Chocolat, tu vois? Voilà. Même lui, il sait pas, en fait. Je sais pas si c'est du chocolat, si c'est vert, si c'est marron, si c'est... Oh là, oh là, oh l'odeur. Ah, bouégué. Non, mais qu'est-ce qu'on a acheté, quoi. Ça, franchement, je suis pas sûre que ça soit du chocolat, hein. Bon, quoi. Même c'est violent. Putain. Oh, mais ça pue. J'ai pas le courage. C'est pas du chocolat. C'est du sucre, je crois, mais avec ce goût. En fait. Ah, je sais pas ce que c'est, mais hein. C'est pas bon. Pap, pap, pap. Quoi? Moi j'ai pas du tout l'impression qu'on dirait les haricots. Pasia. Pasirang, il y a un 하얀색, il y a un soltan. Non, soltan, du coup ça serait des haricots. Mais du coup ça serait des haricots rouges et ça, ça serait. Ou haricots. C'était que. Il y a tout pas Pasia. L'odeur elle est. Ah, oh, mais c'est dedans, j'ai tout vert aussi. Ah, oh, mais c'est pas bon. Non, un moment quoi. Ah, oh, non, c'est pas bon. Ah, ma nez, pas cher. Oh, oui, c'est ça. Ah, pourtant, j'aime bien ça, mais là, c'est pas bon. On va voir celui-là, là. Donc là, on a un marron avec du sucre dessus, en fait. On va essayer, hein. Ça pue pareil. Hein. Il n'y a aucun goût, là. Là, c'est marron aussi. Bon, ben on va finir avec un truc, j'espère, bon, que tout le monde connaît, c'est les Kit Kat. Donc voilà, c'est les Kit Kat au marron. Alors franchement, vous savez qu'il n'y a qu'au Japon où on voit vraiment des goûts de Kit Kat différents. Franchement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de goûts. Il y a des Kit Kat au matcha, il y a des Kit Kat... c'était quoi que j'ai vu? Wasabi. Oh, wasabi, des Kit Kat au wasabi. Bon, je sais pas, on a pris au marron parce que j'avais pas envie de... J'ai déjà testé d'autres Kit Kat, j'ai pas trouvé ça hyper bon. Et du coup, bah il y en a trois dedans. Un petit paquet. Du coup, j'avais pas envie d'avoir un truc non plus trop chelou. Oh, c'est des mini. Tiens, trop moule. Maxi. Oh, l'odeur par contre, ça pue. Même ça, on voit. Voilà. Pas mal, ça. Mais l'eau, elle est là. Il y a un white chocolat. En fait, on dirait du chocolat blanc, ça n'a pas vraiment le goût de du marron. Ou alors très léger, mais avec de la crème ou je sais pas, mélangé. Non, les meilleurs, c'est le vrai Kit Kat. On adore. C'est. C'est pas à vomir, hein, c'est pas un goût spécial, c'est un Kit Kat quoi. C'est un biscuit avec du chocolat, on dirait blanc, voilà, de la crème de marron limite. Mais
c'est pas top, hein. C'est gras, c'est lourd, j'en mangerai pas beaucoup. Hein. Bah oui, ce qu'ils préfèrent, c'est ça. C'est horrible, c'est ce que je déteste le plus chez les Chinois de Nguyen. C'est ce qu'ils préfèrent. Oh, c'est chou. Ah, bon, ok. Ouais, moi aussi, ça c'est le meilleur. Non, ben. Franchement, à part les biscuits au crabe, je ne valide absolument rien. Le. Ouais, le pouce, il n'y a pas beaucoup de goût. Y a... Ouais, c'est pas dégueu, mais voilà. Alors, ben, pour lui, ça c'est le pire. Je suis pas fan. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous savez ce que c'est et que vous pouvez commenter pour nous indiquer un petit peu les noms en français, pour savoir un petit peu la traduction. Parce que vraiment, j'en ai aucune idée. Donc, bah voilà, on se vous laisse sur ça parce qu'on avait ramené en fait que 5 produits différents. Donc voilà, on termine la vidéo sur ça et puis j'espère que ça vous aura plu. Laissez des likes et des commentaires en bas de la vidéo. Merci, bye bye. Bye.